Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, vous le savez, nous sommes en pleine commémoration du 6 juin 1944 et nous avons le chef de l'État qui a fait plusieurs déclarations. Et au lieu de pacifier les relations avec Vladimir Poutine, Emmanuel Macron appelle les Français à se préparer au grand sacrifice. Le chef de l'État est dans une folie complète, on pourrait même dire qu'il est fou allié. Mais quelque part c'est cohérent. Dans les établissements psychiatriques, il y a toujours un fou qui se prend pour Bonaparte. Ce qui montre quand même qu'au niveau du gouvernement, ils sont peut-être tous devenus fous complètement. Ce que je vous propose avec les runes, eh bien, c'est de regarder, une fois de plus, parce que je comprends vos inquiétudes, si il va y avoir une guerre entre la France et la Russie. Ce que j'ai demandé aux runes, c'est donc quelles vont être les relations entre la France et la Russie. À partir de maintenant. Et dans les dix jours et dans les pardon dans les à partir de maintenant et pour les dix années à venir dix jours ça n'aurait pas de sens. Alors comme toujours avec les runes, je vais retirer les runes qui ne disent rien. Petite précision, j'ai une personne, une abonnée qui m'a posé une question à propos des runes, est-ce que c'était identique d'utiliser les runes, on va dire, type galet, quoi, et les runes qui sont en version papier, en version carte, Vous voyez par exemple de ce jeu. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux vous l'avoir à prix réduit, hein. donc euh, n'hésitez pas à me contacter. Oui, c'est la même chose au niveau des réponses, au niveau du questionnement. Mais avec les runes, sous la forme de cartes, vous ne pouvez pas avoir le premier, euh, le premier jet, celui que je fais quand je jette les runes sur la table, et que j'obtiens parfois un dessin. Il y a donc cette première interprétation que vous ne pouvez pas avoir, mais dans le reste, vous pouvez très bien. Prendre une rune, une question, une rune. C'est la même chose qu'une question, une carte. Et pourquoi pas, et peut-être qu'on essaiera euh, prochainement, un tirage en croix avec des runes. Il n'y a aucune contre-indication. Ceci étant dit, observez, je vous invite à observer un petit peu ce tirage. On pourrait presque y voir ici une arche. Mais regardez cette forme ici. Si vous suivez mon doigt, on a l'impression que l'on pourrait poser un personnage assis ici. Je ne sais pas si vous voyez bien le dessin. Je regarde autour de moi, je n'ai pas mon crayon. Voilà, je l'ai retrouvé. Regardez, je mets la feuille de papier. Et j'ai une rune ici. J'ai les deux runes ici. Vous voyez, c'est ces deux runes-là. Et puis ici, ça pour moi, c'est un siège. En réalité, on a cette forme-là. C'est schématique, hein. Mais si on regarde, on pourrait très bien poser un personnage ici, assis, en train de regarder. Désolé, hein, je ne suis pas artiste au niveau du dessin. Ce qui montre quand même que vis-à-vis -vis de la question, on ne sent toujours pas une forme d'avancée vers la guerre. Je sais bien qu'il y a les déclarations. Je le sais bien, je les entends comme vous. Mais quelque part, prenons toujours du recul. Je vous invite souvent à ne pas être dans les émotions. Il y a toujours, et vous m'excuserez de l'analogie, la, de il y a toujours le petit roquet quand vous passez dans la rue qui aboie après vous. Oh, il a l'air menaçant, hein, il est. Tous ses yeux sont exorbités. Toutes les dents sont dehors et pourtant il aboie, il aboie mais jamais il ne vous mord. Par contre, vous avez parfois un gros chien qui lui vous regarde, il vous observe, il ne dit rien. Et puis un jour, il vous mord la jambe et vous avez compris que lui, il était vraiment dangereux. Ce qui est, montre quand même que ce n'est pas parce qu'on parle beaucoup et qu'on fait beaucoup de menaces que nous sommes vraiment le plus dangereux. En réalité, par rapport à la question, on a l'impression d'une chaise. Et une chaise, c'est plutôt l'idée de se mettre autour d'une table et de parler. Donc les relations entre la France, je vous rappelle la question, hein, comment vont évoluer les relations entre la France, que vont devenir les relations entre la France et la Russie, avec une chaise, ça invite plutôt à la discussion. Qu'à la guerre. Nous aurions eu l'idée d'un fusil, je vous aurais dit, ah, ça a quand même ce corset. Sans pour autant vous dire quand. Mais là, une chaise, moi je vois plutôt, même si, pourquoi pas, il pourrait y avoir un épisode de combat, globalement, Globalement, je dis bien, je, il n'y a pas de guerre contre la Russie, de guerre atomique par contre. Et l'exemple que je vous ai donné d'épisodes de combat, c'est un exemple. Ce n'est pas ce qui va se passer obligatoirement. Je ne l'ai jamais vu jusqu'à maintenant dans mes cartes, mais on pourrait regarder. N'oubliez pas que dans le tirage précédent, je vous avais dit qu'il y aurait des instructeurs français qui iraient sur le front, des ONG, et là, on pouvait s'attendre à effectivement peut-être des morts, hein, je n'avais pas regardé dans ce sens-là, mais je vous ai dit, il n'y aura jamais de français confronté directement sur le front à l'armée russe. Pour l'instant, le dessin des runes, c'est ce qu'il suggère aussi. Je vous remontre encore une fois cette chaise, qui certes n'est pas un chef-d'œuvre au niveau de l'art, mais qui montre bien qu'on est plutôt assis. Et je vous invite à essayer de me donner une guerre en position assise, c'est compliqué. Aussi, là, on va commencer l'interprétation. Et l'interprétation, je vais reprendre l'habitude que j'avais. On démarre ici et on tourne. Eh bien, ce que nous allons faire à nouveau ici, et vous voyez la première, vous l'avez reconnue, c'est Raido. Et raido, c'est une idée de chevaucher, d'un raid on pourrait dire comme ça. Raido, c'est aussi quelque part une forme de déplacement rapide. Une chevauchée, c'est plutôt rapide. On a tous l'idée de voir un cheval au galop avancer vers quelque chose. Alors dans chevaucher, certaines mauvaises langues diront ⁇ Oui mais c'est pour la guerre ⁇ Pas forcément. Là, cette rune, elle montre qu'il y a quelque chose qui avance vite. J'aurais tendance à toujours vous rappeler que, déjà, je n'ai jamais vu de guerre pour l'instant entre la France et la Russie, et que ce n'est pas parce que la France commet la bêtise d'envoyer des instructeurs en Ukraine, euh, Ukraine qu'il va y avoir une guerre entre la Russie et la France. C'est beaucoup plus complexe que ça, et dites-vous bien que... Si on envoyait les soldats français, la ligne de front est en 1000 km en Ukraine et la France n'a pas de soldats pour tenir plus de 80 km de ligne de front. C'est extrêmement compliqué. Et puis, j'ai cité Bonaparte, souvenez-vous que la Grande Armée a connu sa plus grande débâcle de ce côté-là de l'Europe. C'était plus loin, mais quand même. Ce n'est pas si simple. Et que le temps des déclarations, c'est une chose, mais quand il faut agir, c'est une autre chose. Et je vous avais dit aussi dans une vidéo que l'armée se rebellerait malgré les déclarations de certains généraux. Il faut voir que ce n'est pas les généraux qui vont faire la guerre, ce sont les hommes qui vont faire la guerre. Ce n'est pas parce qu'un général suit aveuglément. Emmanuel Macron, que tous les généraux et que tous les hommes vont le faire. Donc, mieux vaut toujours temporiser. Raido signifie que simplement il y a une évolution assez rapide vis-à-vis -vis de la Russie. Quelque chose va en prendre corps. Feu que voici, c'est la prospérité aussi une certaine fois, une certaine façon, la force, mais elle désigne, fait eu aussi des projets en cours, un début, un commencement, une émergence. Curieusement, le début de quoi d'une guerre ou le début d'autre chose, parce qu'on parle de prospérité aussi. Or, la guerre, ce n'est pas la prospérité, la guerre n'apporte rien à part le désarroi et la destruction. Mais pourtant, on s'y dirige rapidement. Ce qui semble montrer une évolution de la situation entre la France et la Russie sur 2024, voire vraiment au plus tard sur 2025. Et vraiment au plus tard. Et puis c'est vrai que nous sommes au début de tirage, donc vous voyez... Moi, je vous redis début 24 ouais, 2024 ou 2025, vraiment au plus tard. Ici, nous avons nos 10. Vous voyez qui ressemble à un X en allongé. Nos dix, elles symbolisent les obstacles rencontrés sur le chemin. Les obstacles rencontrés sur le chemin... Vis-à-vis -vis de la Russie, d'un processus de résistance, l'expression du destin, la possibilité d'évolution, mais symbolise aussi la situation, une sorte de situation où il y a une forme d'impuissance, de ne perdre le contrôle. Ce qui montre que si ça va avec rapidité, qu'il y a un projet, on pourrait peut-être se diriger vers un projet effectivement de type combat, puisque c'est la volonté de Macron, mais qu'il y a de la résistance. Tiens, ça résonne étrangement à ce que je vous disais l'armée ne suivra pas Emmanuel Macron. Ce qui montre que ça va coincer. Et. C'est une étape de l'évolution de laisser finalement Emmanuel Macron sans pouvoir commander un chef qui serait devenu impuissant. Et puis, n'oublions pas, même si les, la politique militaire de la France, dans une certaine mesure, c'est la prérogative du chef de l'État, il ne peut pas décider de tout dans une démocratie. Même si on a vu que la démocratie, Emmanuel Macron avait tendance à s'asseoir dessus. Et puis là, nous avons Bergano. Bergano qui est plutôt le symbole de la féminité. On peut s'interroger sur la présence de Bergano juste en face du symbole de Noudis qui symbolise les obstacles. L'explication est relativement simple. Vergano symbolise la mort en tant que nouvelle naissance. Dans cette phrase, on pourrait comprendre très facilement que finalement, en envoyant des instructeurs en Ukraine, donc des militaires, mais non pas sur le front, je vous le redis bien, en envoyant des militaires, et en voyant des militaires tomber, en Ukraine, pour l'Ukraine en fait, hein, pas pour la France, il y aurait. Parce que je vous ai dit ici avec Nodis, déjà, il y avait des obstacles qui se créaient. Bergano, c'est l'idée de, euh, de mutation, de transformation aussi. En fait, quand on regarde ces quatre runes, eh bien, on a l'idée qu'assez rapidement, ça va bouger, qu'il va y avoir des instructeurs tués en Ukraine, des instructeurs français, des militaires français, qui seront là pour instruire, pour montrer comment fonctionnent certaines armes. Il y en a déjà, de toute manière, ne vous faites pas d'illusions. Mais là, ça sera plus officiel. Visiblement, ils vont être ciblés. Ils vont décéder. Et quand les premiers drapeaux français reviendront sur des cercueils, parce que contrairement à ce que j'ai vu sur certains sites, c'est faux, il n'y en a pas eu pour l'instant. Mais il y en aura. Là, il y aura une mutation à attendre. Un renversement de situation. Parce que l'opinion publique n'acceptera pas de voir des militaires tués pour l'Ukraine. Ce n'est pas pour défendre l'Europe. Ce n'est pas pour défendre la France. Ce n'est que pour défendre un président qui ne reflète que lui-même, Zelensky, en fait à part annuler les élections dans son propre pays, n'a rien fait d'autre. Là, visiblement Emmanuel Macron ne sait pas à quoi il s'attend et en voulant officialiser l'envoi de d'instructeurs militaires, cela va simplement offrir des cibles à la Russie pour tuer des Français. Et l'opinion publique va vaciller, non pas en fonction de la Russie, non pas vers la Russie, mais tout simplement vont vaciller encore plus contre une intervention française aux côtés de l'Ukraine. Les Français, on le sait bien, ne sont pas chauds du tout pour y aller, contrairement à ce que, dit, à ce que disent nos gouvernants. Les Français n'ont pas envie d'aller mourir pour l'Ukraine, mais là, avoir ne serait-ce que un ou deux instructeurs revenant et étant tué en Ukraine, sera fatal à Emmanuel Macron. Il se trouvera totalement désarmé au niveau du commandement, et plus encore que le résultat de l'élection euh, européenne, c'est ce fait-là qui va faire basculer sa présidence. Je ne vous ai pas dit qu'il serait destitué, et attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais déjà, s'il n'avait plus de pouvoir au niveau de l'armée, il arrêterait de faire ces déclarations qui ne servent à rien à part à jeter de l'huile sur le feu. Et ce qu'on voit, c'est que la position de la France va légèrement modifier sa trajectoire. On voit presque quelque part sa oblique. Wunju, c'est l'idée d'un rapprochement avec la Russie puisque c'est la Russie dans la question. Il y a même presque une forme. Nous sommes sur dix ans. Nous ne sommes pas dans les semaines qui viennent. Mais il y aura un rapprochement avec la Russie. Vous voyez, nous avons déjà quitté l'ère Macron ici. Un rapprochement avec la Russie. Oh, ce n'est pas un énorme rapprochement au départ mais on a l'impression d'échange. De, de, en fait, ça veut simplement dire que le commerce repart avec la Russie. Et que donc, nous n'allons pas rester dans une posture guerrière tout le temps. Mais, je vous le dis, ce n'est pas sur l'air Macron. Macron, lui, il s'arrête là, son action, l'envoi d'instructeurs, un ou deux instructeurs morts, ça bouleverse l'opinion publique et on lui retire presque ses prérogatives de pouvoir gérer l'armée. Mais ici, après l'ère Macron, il y a quelque chose qui bouge vis-à-vis -vis de la Russie. On oblique, on a l'impression même qu'on se parle, qu'on se reparle différemment. Bien loin ici, nous avons la Guse. Ce qui montre que dans un premier temps, L'agus représente quelque chose qui se fait mais du bout des doigts du parce que l'agus c'est une phase de croissance d'évolution les choses bougent oh oui ça va bouger du bout des doigts au début il faut pouvoir d'un côté digérer l'attitude de la France donc du côté russe et puis du côté français ne pas se désavouer totalement de ce qui a été fait presque l'idée de se dire on est trop orgueilleux pour dire qu'on a fait n'importe quoi. L'aguse, c'est tout ce qui pousse, se développe. Et puis, qu'on a l'idée d'une croissance assez verticale, comme un oignon, un poireau. Nous ne sommes pas dans une phase de guerre, nous sommes dans une phase de commerce. Donc, oui, en ce moment, la situation n'est pas plaisante avec la Russie. Mais une fois que nous aurons un chef d'État qui arrêtera de s'agiter, de jouer au roquet, nous pourrons avoir autre chose, une autre politique vis-à-vis -vis de la Russie. Alors, les mauvaises langues diront, c'est peut-être aussi parce que Poutine va disparaître. Peut-être. L'oracle n'en parle pas. D'ailleurs, ça ne dit pas qui sera président de la France à ce moment-là. Mais ça montre que la France, en tant que pays, va changer, va changer d'attitude vis-à-vis de la Russie. Et inversement, forcément. Ourouz, qui est ici, c'est une nouvelle naissance mais aussi une forme d'aide qui vient à nous. Alors ici, nous sommes dans les dix ans, je vous le rappelle. Il faut prendre un petit peu de recul pour comprendre la situation. Après une période de querelles, de menaces, nous avons une période de croissance qui revient. N'oublions pas que, actuellement, finalement, l'armée qui serait euh, prête à nous protéger, nous Français, c'est l'armée américaine. Mais, je vous l'ai dit, Trump va revenir à la Maison Blanche. C'est pas que Trump va nous laisser tomber, c'est que quelque part Trump va s'occuper d'abord des Américains, de son propre pays, ce qui est normal. Et il va bien falloir remplacer dans un pays. Euh, et là, je vais paraphraser Charles Gave. Il le dit tout le temps, et c'est tout à fait vrai. Dans un pays, il y a toujours une armée. Si les Américains quittent l'Europe, quittent la France, c'est schématique parce qu'ils ne sont plus en France, hein. nous ne sommes plus euh, dans les années 60, hein. mais si l'armée qui protège la France quitte cette France, il y en a une autre qui viendra. Et c'est l'armée russe. Alors bien sûr, ils n'auront pas... L'armée rouge qui va, qui va venir dans nos rues. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Mais le rapprochement militaire se fera avec la Russie. Ce qui montre que finalement, nous ne serons pas occupés, hein, je vous rassure aussi, mais la zone d'influence de l'armée russe viendra jusqu'à nos portes. Zone d'influence, nous ne sommes pas du tout dans un pays occupé. Hein. Euh, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous voyez, ne, ne comprenez pas de autre chose que ce que je vous dis. Mais l'influence de l'armée russe sera importante. Nous sommes dans un monde géopolitique. L'ennemi d'aujourd'hui sera finalement le protecteur de demain. N'oubliez pas que dans les dix ans à venir, l'Europe va s'écrouler. Les États-Unis vont rester chez eux. La France va évoluer. Il ne s'agit pas de devenir pro-Poutine ou pas. D'ailleurs, ça ne dit pas si Poutine, encore une fois, s'il sera au pouvoir encore en Russie, à ce moment-là. Ça montre que simplement la géopolitique va changer et que le rapprochement se fera entre la France, en tout cas militairement, et la Russie. Peut-être par rapport à un monde qui bouge, par rapport à l'islam qui devient de plus en plus pressant. Peut-être par rapport à la Chine. Aujourd'hui, la Chine et la Russie s'entendent bien. Qui sait ce que demain réserve Regardons maintenant ici Anzouz. Anzouz, c'est l'intelligence, la connaissance, les aptitudes mentales, la communication, l'inspiration. En fait, ça montre une coopération entre la France et la Russie. D'un point de vue plutôt militaire, même si, n'oublions pas, on parle de commerce aussi. Et avec Gebo ici, on a vraiment l'idée de, de coopération qui s'affirme. Se, qui se, qui C'est l'idée aussi de bâtir une relation plus solide. Je pense qu'on pourrait même parler d'alliance, d'alliance militaire. Vous voyez comme on a l'alliance avec les États-Unis actuellement. N'oubliez pas que ce que je vous dis, dans un monde comme nous le sommes, les relations bougent. La vérité d'aujourd'hui, qui semble nous diriger vers la guerre, ne sera pas celle de demain. D'ailleurs, qui, en 1939, aurait pu dire qu'un jour la France et l'Allemagne seraient alliés Nous sommes alliés. Sous le temps. Voyez donc, tout peut bouger. Mais nous avons ici pour terminer la rune Yera. Hiera, regardez, elle bouge, elle tourne. Elle tourne et elle retourne. Yera donne un sentiment, en fait, où les choses vont dans un sens, vont dans l'autre. Eh bien, Yera vient un petit peu symboliser ce que je vous disais. La roue tourne, la roue du destin, elle tourne. La situation se renverse et se change. Puis peut se renverser à nouveau et rechanger. Nous sommes dans quelque chose où les runes nous font comprendre que la situation d'un jour n'est pas celle du lendemain. Tout simplement. Donc les amis, je comprends les inquiétudes vis-à-vis -vis des déclarations très hostiles et très guerrières de notre président. Pour autant, ce n'est pas parce que le roquet aboie qu'il mord. Abonnez-vous. Likez la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à la partager. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.